Bonjour, comment allons-nous? Nous sommes dégoûtés. Peut-être que vous vous entendez, peut-être que vous n'entendez pas. Je ne sais pas si vous avez l'oreille. Mais disons que là, il n'y a plus de micro sur la GoPro parce qu'on a que des problèmes avec la GoPro. Enfin, le micro de la GoPro. Et c'est fatigant. Donc là, on a enlevé parce que comme ça, vous nous entendez parler. Ça va être beaucoup mieux. Et puis, on va envoyer un mail à la GoPro. envoyer un mail à l'entreprise quoi, qui fait ses petits micros. Et sinon, bah là, ce matin, on a été à IKEA, on n'a pas filmé, parce qu'il n'y avait rien à filmer. C'était un petit tour comme ça. On a acheté deux petits trucs. Un truc pour mettre, pour poser le papier toilette dessus, un support. Et quelque chose d'autre, un tapis, en fait, pour mettre à côté de l'égouttoir de la vaisselle. Et sinon, on a acheté des petits gâteaux, parce qu'à IKEA, pour le matin, c'est pas vraiment des gâteaux, enfin, c'est sec, c'est pas des trucs de dingue, je pense. C'est un peu comme les Weetabix, mais c'est parce qu'il n'y en a plus dans nos carrefours, les Weetabix. Et là, on va aller faire un petit tour à Rennes, dans le centre, parce qu'il fait 28 degrés et que, bon, on va pouvoir profiter du soleil un peu. Ça va être dingue. Donc voilà, on vous laisse. J'ai une moustache. Il a une moumou. Sur ce, on vous laisse avec la suite, comme on dit tout le temps. Allez, ciao. Je me dirige ici même. Bonsoir. Claquette chaussette, hein, évidemment. Petit apéro sous le soleil. Des tropiques. 19h05, 29 degrés, c'est quand même assez cool. Donc, alors. Quoi? Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? On a arrêté, mais on n'a pas trouvé ce que je voulais comme chemise. Et finalement, j'ai acheté deux t-shirts Nike, les classiques, et une tondeuse pour ma barbe, pour avoir ma belle moustache. Sinon, on a été à tous anti-gaspi. Nous anti-gaspi. C'est un truc un peu comme les bacs qu'il y a dans les supermarchés avec des dates courtes et tout ça. Un peu le même principe, mais dans un magasin qui fait que ça. Et on a acheté des bouchées pour l'apéro là. Maïs mozza, un peu épicé d'ailleurs, je le sens. Ouais, et des desserts pour essayer, c'était pas mal. Oyez, oyez, Alexandra a une demande pour la planète. Alors, pas pour la planète. J'aimerais savoir qui souhaite nous payer un voyage à Londres du vendredi au lundi. N'hésitez pas à nous payer. Mon compte, à payer mon compte bancaire sous la vidéo. Non, en commentaire, en description. Dans quelques secondes, allez nous voir demain au réveil. Non, il y aura peut-être. Peut-être pas au réveil, mais. Il y aura peut-être un peu avant. En fait, on va vous laisser avec une petite vidéo de nous en soirée, les moments marrants et tout. Mm-hmm. Et ensuite, c'est demain à notre réveil, vous allez voir notre tête. Et là, vous serez à notre tête si on a passé une bonne ou une mauvaise soirée. Quincy, wake up! I don't like me. Il est 22h. Crazy wake up. Il est 22h et il fait beau. C'est quand même très très agréable l'été quand même. Hein. Et puis là, bah du coup, direction le deuxième bar. Oui, parce qu'on vous a pas filmé le premier bar parce que bah, il y avait du monde. Donc au bout d'un moment, on peut pas tout faire. Du coup, voilà. En route. Il est fondu aux toilettes. Ouais. C'est top. Il leur dit genre bah non, bah c'est fermé tu vois. Ouais. Alors qu'en plus j'avais fait l'effort de prendre une conso pour pouvoir aller aux toilettes. Ouais. Allez bye. Ceci est la tête du lendemain. On est en train de prendre le petit déj dehors. Donc c'est. Bah ça va. J'ai la tête qui tourne un peu mais. On a une mangue dégueulasse, du fruit. Comment ça une mangue dégueulasse? Bah elle est pouille là. Non mais lui déjà faut savoir que quand il y a un bout de pourri sur une banane, il est en mode... T'en veux pas tu jettes. Il est en mode ouais non c'est dégueulasse, faut que j'enlève ça. C'est vrai. Alors que moi je mange ça tu vois. Il fait très chaud là quand même. Bah, il fait 24 degrés hein. Mmh. Coucou. What's up guys? Comment allez-vous? On est lundi, on est en fin de journée. Plus que deux jours avant le long week-end qui nous attend, donc on est plutôt content. En plus, il y a un beau soleil, il fait 32 degrés à 19h, c'est plutôt sympa tout ça. Et là, on va manger avant le sport, c'est pour ça qu'il est en tenue de sport et qu'il faut que je me mette en tenue de sport d'ailleurs. Bona bona. Petit. Comment que c'est?
Aujourd'hui, je suis en télétravail, ça se voit, non, je bosse. Non, je fais une petite pause, je vais mettre du linge à étendre dehors. Avant le grand week-end à La Rochelle, où on vous emmène un peu avec vous. Bonjour. Alors, depuis tout à l'heure, on parle, et en fait, il avait oublié d'appuyer sur le truc. C'est moi qui ai remarqué. Oh, j'en ai marre. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Je suis chez le coiffeur, regardez comme c'est beau. On est parti à La Rochelle pour le camping. Il est 7h30, nous avons un peu moins de 3 heures de route. Et c'est petit par quoi. On espère qu'il n'y aura pas grand monde sur la route. Cross the finger. Le rat. Discret, prudent, intelligent et très proche de l'homme. Coucou, nous sommes arrivés sur le camping. On est autour parce que ça ouvre que tout à l'heure. Enfin, c'est ouvert, mais on peut accéder qu'à notre mobilhome qui a normalement 17h, on ira en début d'après-midi. Donc là, on va à la plage. Il est quelle heure? 10h30? Bonsoir. C'est donc ça le bonheur? Ok, on vient d'arriver. Hop. Oh, il fait une chaleur. C'est vrai qu'il fait hyper chaud de base, mais dans le mobilhome. Je vais chercher le reste. On va faire la petite visite. Hein. Les toilettes, voilà. La petite chambre. Petite cuisine, petit frigo. Ici, la salle de bain. Ah, mais c'est très très étroit ici. Et là, la chambre des petits. Puis du coup, on est à côté du... Il y a un parc là. Et puis la petite table quoi. On est pas mal, on est bien posé ici. On va se poser en terrasse, prendre l'apéro. Et ce soir, il y a Jackie qui fait un concert. Avec Jackie. Jackie qui nous chante une belle musique. On est parti du restaurant où il y avait Jackie. Ça devenait un peu gênant. Et on s'est dit, non, on peut pas rester là, on peut pas. Donc on a décidé de retourner au mobilhome en terrasse avec un repas et du bon vin blanc. Ah tiens, internet. On est allé faire les courses dans un casino. Première chose qu'on est allé voir, c'est l'alcool. Le truc. On voit une bouteille à 5-6 balles, on se dit bah ok, bien, on prend. Et en fait, on se rend compte après en faisant la course, tout est très cher. Genre la brioche, 4 balles. Et du coup, avec le recul, je pense que la bouteille de 5-6 balles de vin blanc, si tout est x2, bah en vrai elle vaut 2-3 balles. Il y a un petit qui a dit. Qu'est-ce qu'il a dit exactement? Ok, puisque c'est comme ça, je vais employer la matière force. Bonjour, c'est le matin. On va prendre notre petit déjeuner. Puis ensuite, on va aller à la piscine. Puis après la piscine, on va manger. Puis ensuite, on va aller à la piscine encore. On a parlé beaucoup de ce jus d'orange qui est à 51% de fruits et le reste d'eau, c'est pas très bon. Je filme avec le portable parce que bah, du coup, on a plus de batterie pratiquement dans la GoPro. Donc, on s'est dit qu'on allait filmer comme ça. On est à la piscine, il est 10h30 à peu près, je pense, quelque chose comme ça. Vamos a la playa, a mí me gusta bailar. Voilà. Vamos a la playa, a mí me gusta bailar. El ritmo de la noche, sounds of fiesta. Demain, on va à La Rochelle. Goodbye, my lover. Nous sommes partis. Du camping, on se casse. On part pour La Rochelle pour une petite journée de qualité avant de retrouver notre chat. Nous sommes arrivés à La Rochelle et nous cherchons un petit café. Il est 9h40, il fait beau, il fait chaud, il y a un peu de vent donc ça fait du bien. Et puis regardez, c'est stylé, hein, c'est beau. Quelques petites images qu'on va vous montrer dans un instant. Hey.
visiter la petite ville, la petite bourgade de La Rochelle. Exactement. Petite anecdote, l'histoire de la connasse, comme Alexandra l'appellerait. On était garé à une place de qualité et on va pour partir et on voit qu'il y a une voiture derrière nous pour prendre la place. Donc ok, on se speed un peu pour partir. Et en fait, devant nous, quelqu'un se met avec le clignotant pour dire « bah je prends votre place ». Du coup, bah on klaxonne, on lui fait signe « bah il y a déjà quelqu'un, allez-y quoi, avancez ». Elle descend de sa voiture et elle commence à nous engueuler. « Oui, mon fils, il a vu que vous partiez, il a attendu à côté de la place pour que je la prenne, nanana ». Mais genre, elle nous embrouille quoi. Et nous, pour rien en fait, elle dit « ouais, mais nous, il y a quelqu'un derrière et tout ». Et après, du coup, elle est partie voir le mec derrière et nous, on l'a doublé, on est séparés. Mais elle nous a... Enfin, franchement... trop vénère comme nous, alors que bon, pour rien, nous on a une place, on s'en va, on s'en fout. Bon, on a raconté l'histoire de la vieille. Non, c'est tout le temps des vieilles. L'autre histoire de la vieille. Et c'est toujours en plus moi qui prends. Ça, c'est vrai. On marchait pour aller vers la plage. Non, pour rentrer de la plage. Rentrer de la plage. Ouais. En gros, on était sur le trottoir. Et il y a une vieille qui arrive en vélo en face. Et en fait, on marchait l'un à côté d'autre, Alex et moi. Et du coup, bah, la vieille est arrivée du côté d'Alex. Et elle... moi, je voyais rien parce qu'il y avait le soleil, ouais. Vraiment, le soleil tapé. Voilà, je baissais la tête et je voyais rien devant moi. Et là, la vieille, elle fait... elle sonne pas, donc nous, même moi, je captais pas. Et elle fait « S'il vous plaît, madame !» Alors qu'elle était mais à un mètre. C'est clair. Elle aurait pu dire avant, non, non, à un mètre. Donc Alex bug un petit peu, enfin normal, tu es un peu surpris. Elle se décale. Je m'excuse en plus. Elle dit pardon, et après, t'entends la meuf faire « Oh là là !» Donc, incroyable. Donc, voilà. C'était les coups de gueule. Sinon, le resto où on est allé, là où vous avez vu les images juste avant, les gens étaient très 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 sympas. C'était un bar bistrot, les copains d'abord à La Rochelle, c'est comme ça. Sur ce, on vous laisse.